Bonsoir tout le monde, salut. Je vais commencer le live, on va parler de Yokai Tempura. Ouais, c'est un lundi un peu spécial. Je commence dans, allez, 30 secondes, une minute. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Normalement, c'est bon. Salut tout le monde. Alors, normalement, j'espère que vous entendez le son. Théoriquement, oui. Je regarde. Théoriquement, oui. Parce que j'ai. Donc, j'ai fait une install un peu spéciale. Pour vous montrer ça, qui sont de dingueries quoi. Voilà. C'est un lundi un peu spécial. C'est un lundi Yokai Tempura. Je vais baisser un peu le son. Vous me direz pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai plus mon casque. Mon casque est en doit partir en SAV. Et donc comme mon casque doit partir en SAV, j'ai Eh ben, j'ai pas trop le choix de faire sans casque. Mais je pense que je vais essayer de me trouver un casque. D'essayer de trouver un casque histoire de le connecter, histoire d'avoir un peu de son. Je vais juste me mettre comme ça, je teste en même temps. Théoriquement, c'est bon. Tac. Je serre. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et normalement, vous voyez. Je vais mettre un petit peu de lumière. Donc bonsoir tout le monde, je fais ma petite installation en même temps. J'espère que tout va bien. Je suis désolé parce qu'en même temps je contrôle la gueule de mon truc. Je vais juste mettre un peu de lumière. Donc je vais en avoir moins à plein la tronche par contre. Mais au moins vous allez mieux voir. Ça va être mieux. Par contre moi je suis en... C'est là. C'est le jour ou la nuit. Bref, donc je suis un petit peu blanc, mais c'est avec la lumière, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Donc bonsoir tout le monde. Donc c'est un peu spécial parce que j'ai pas de casque, donc ça fait un peu bizarre. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un lundi un peu spécial. Donc bon, pour ceux qui me découvrent, voilà, je suis Koge-san. Je suis spécialisé en art japonais et coréen. Et je fais donc des vidéos régulières sur aussi bien l'aspect culturel, quand je dis aspect culturel, vraiment objet d'art, des artistes, je fais des topos sur les artistes. Normalement, c'est le lundi culture, je fais un topo sur un artiste ou une œuvre d'art. Là, c'est un peu spécial, j'ai voulu faire un truc sur un objet spécial, quand même, que vous avez ici, et je vais en parler. Je fais des rendez-vous réguliers sur les expos, les conventions en France, au Japon et en Corée. Et puis, je fais aussi une présentation d'un objet, parce qu'en fait, donc, c'est quand même mon métier, je travaille là-dedans, je suis expert et puis antiquaire en art japonais. Et donc, je présente aussi un objet d'art pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à voir sur un objet, vous raconter aussi l'histoire d'objet, les techniques d'un objet japonais ou coréen. Même si je vais être majoritairement quand même japonais, c'est le programme en gros de la semaine et en gros de ce que je propose. Donc quoi, si vous me découvrez, bah bonjour. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'encore une fois, j'ai changé un peu mes réglages comme j'ai plus mon casque. J'ai changé mes réglages, mais a priori au niveau du micro, c'est bon. Aujourd'hui, donc c'est un lundi, enfin ce soir, donc 21h. Un petit lundi spécial, ça, je vais faire du toys aussi parce que c'est ma grande passion. Ma passion, j'ai plein de passions. Hein. Je pense qu'on est plein à avoir plein de passions. Mais le Toys. Alors, je ne suis pas collectionneur de Toys, enfin, du moins, j'en ai quelques-uns. Parce que forcément, j'aime ça, parce que je suis de la génération Toys. Je me rends compte que je suis vraiment blanc-bec avec la lumière, je ne vous raconte pas. Vous ferez avec, hein, c'est bien, ça va avec le thème yokai, un peu blafard. J'ai quand même un teint un peu plus coloré habituellement. Hein. Mais là, je me suis mis la Kalite en pleine poire, donc juste pour.
Juste pour allumer ça. Mais je pense que je peut-être que je baisserai la prochaine fois avec les lights. Peu importe. Bref. Donc, sujet Lundi Toys. Pourquoi Lundi Toys? Bah parce que je trouve que dans l'art, alors il y a, si vous suivez un petit peu le marché de l'art, si vous collectionnez un peu les figurines, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les art toys, qui sont des toys, des figurines, quoi, en plastique, PEC, en édition limitée. Voilà, le concept, c'est en tout cas des art toys, c'est généralement donc des jeux, mais on ne joue pas vraiment avec, c'est avec des petites sculptures qui sont faites en série limitée par un artiste, un designer, sur un thème particulier, et on va appeler ça un art toys. Donc il y en a beaucoup qui sont connus, de Barcos, bref, vous avez plein de art toys qui sont aujourd'hui qui existent sur le marché, avec certains qui peuvent valoir très très cher. Bref, et donc dans les toys, je me dis, bah forcément, il y a les toys vintage, les figurines vintage japonaises, aussi bien des séries télé, des animés qu'on connaît tous. C'est de la collection, c'est du vintage, et vous avez même des collectionneurs qui ne font que ça, qui ne collectionnent, qui ne vont pas collectionner des objets d'art, je ne sais pas, par exemple, liés aux samouraïs, qui vont collectionner uniquement des toys vintage. Moi, c'est un truc qui m'a toujours tenté, en parallèle de ce que je peux faire, et j'ai pas envie d'aller sur n'importe quel toy, je pourrais aller sur des toys qui reprennent un peu... voilà les héros des dessins animés ou autres. Bon, ça, on est sur du jeu vintage, quoi. J'en ai quelques-uns. Dès que je craque sur un truc, je craque sur un maître de l'univers, par exemple. Bref. Mais je me dis, et c'est ça qui me plaît, et je suis en train d'en chercher. Donc, si vous avez des plans, balancez les voliens. De trouver aussi des toys en mode yokai, en tout cas, personnage. Mythes un peu, en tout cas les mythes qu'on peut retrouver dans l'art japonais un peu partout. Et puis là, bah, j'ai trouvé, je tombe sur le truc par hasard, c'est qu'il y a des gacha. Donc les gacha, je pense que vous savez ce que c'est, les boîtes avec les petites boules, comme on a ici, hein, généralement c'est 2 euros en France. Voilà pour quelques yens, et vous avez une petite figurine qui se collectionne. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que là, et c'est là, j'en viens au sujet quand même, grosse intro, c'est qu'il y a une série de dingue qui a été faite, donc qui mixe pour le coup tout ce que j'aime, hein, les yokai. Donc les yokai, les monstres, les démons japonais, je pense que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler des yokai, c'est les monstres, alors monstres ou fantômes, je suis un peu meilleur trop vite, monstres, fantômes, démons japonais. Je vais faire un topo, peut-être dans les lignées, parce que demain, putain, parenthèse, lundi normalement, donc je fais un lundi, ce qu'on appelle lundi culture, je parle d'un thème, ou d'un sujet, ou voilà. Je pense que ce que je disais dans mon tweet tout à l'heure, si vous avez vu passer mon tweet, je vais faire plutôt le mardi culture, donc je décale cette semaine. Donc demain, je vais étudier un thème artistique. Alors, je ne vais pas forcément faire les yokai demain, parce que là, on en parle là, mais je vais le prévoir plus tard. Peut-être même d'étudier yokai, les principaux yokai. En sachant que le principal yokai, il y en a plusieurs. Donc les yokai, je pense que vous connaissez, si vous tombez sur cette chaîne, par hasard, j'essaie de pas virer mon installation, sinon ça ne va pas le faire. C'est donc les monstres et les démons qui existent depuis le Moyen-Âge, qui sont notamment aujourd'hui au cœur de la culture Shinto. Vous avez, et pas que, vous avez beaucoup de traditions, il y a des superstitions qui sont liées à ces différents yokai, et puis chaque yokai, donc chaque monstre, a son point un peu négatif. C'est des créatures qui sont étranges, qui apportent du mal, et puis en même temps qui peuvent être aussi, pour certaines, protectrices. Bref, les yokai, c'est vraiment au cœur de la culture japonaise. Je ne vais pas rentrer dans le détail des yokai. Je pense que pour en parler, je vais faire vraiment un sujet spécial en vous montrant des estampes, en vous montrant les yokai dans la culture japonaise. Donc, peut-être un panorama, mais je trouve que ce qui peut être vachement intéressant, et ça justement, ça se fait pas souvent, c'est de faire des topos sur certains yokai. Alors, il y en a certains que vous connaissez, par exemple, il y a le Tengu. Je suis un peu sur le côté parce que j'ai mon micro qui est assez loin, c'est pour ça que je suis un peu comme ça. Mais le principal, c'est que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, vous faites les messages ou autre. Hein. De toute façon, évidemment, s'il y a des questions et je suis pas clair, vous me posez des questions en live, vous me posez des questions sur le replay, sur Twitter, sur TikTok, où vous voulez, en tout cas, je suis... Voilà, je suis dispo. Bref, au niveau des yokai, il y a le Tengu.
Le Tengu, c'est celui avec son long nez que vous devez connaître, souvent représenté en masque rouge. Vous en avez plein. Vous avez Kappa, c'est le petit garçon crapaud. Vous avez le démon japonais. Vous avez, je regarde en même temps parce que je les ai dans les yeux, je les ai dans la tête, mais pas forcément sous les yeux. Vous avez aussi le monstre des salles de bain qui est sympa, celui-là, le monstre des salles de bain. Mais je pense que si vous en parle de celui-là, c'est Akaname. Vous n'allez pas vous doucher. Donc ça on en parlera. Vous avez le tanuki, vous avez le kitsune qui est le renard à neuf queues, etc. Bref, vous avez tout un tas de yokai. Il y a eu un très bon bouquin, il y a eu une expo là-dessus sur les yokai, très bon bouquin. Je suis en train de me demander, je ferais peut-être une OP, faire gagner même un bouquin sur les yokai. Bref, on peut faire un petit jeu concours, pourquoi pas. Bref, j'ai envie de vous faire un topo sur les yokai. Je vais pas faire un sujet régulier sur les yokai, mais d'en parler de temps en temps, ça peut être cool. Donc pourquoi je m'intéresse? Bah là, on est sur un double shot, hein. Des toys, donc des toys, parce que les gacha, pour moi, ça reste quand même du toys, c'est de la figurine, on peut jouer avec, en soi. Et là, des toys en mode, alors attention, yokai, mais mieux yokai tempura. Je pense que là, difficile de faire mieux comme combo. Et donc incroyable. Donc je suis tombé, j'ai réussi à avoir toute la série, ce qui n'était pas forcément facile, en sachant que la série, vous en avez de base, vous en avez 6, les 6 qui sont là. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Paf. Si je mets mon téléphone sur le truc, ça va pas le faire. Voilà, ça va être un peu mieux. Je vais me mettre un peu une lumière un petit peu plus tamisée. Bref. Normalement, c'est bon. Donc, et vous en avez 6. Et vous en avez un bonus. Et c'est pour ça que je voulais avoir absolument la série complète. Qui est le bonus en mode tempura crevette or. Voilà. Série de dingo. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les trouver. J'ai eu la chance de pouvoir mettre la main là-dessus. Dessus et je suis super content parce que là ça fait une super belle collection. Je sais pas s'il y aura d'autres séries. En tout cas, je trouve que là, bon voilà, je peux avoir encore une fois de la collection, je peux bosser dans les objets d'art 17e, 18e siècle, aussi bien du sable, du masque, du Mempo, de samouraï, la céramique. Ça m'empêche pas aussi d'avoir des yokai. Hein. Tempura. Donc je vous montre le petit livret qui est filé avec chacun des gachas. Paf, pif, paf. Donc je vous montre. Vous avez toujours un petit livret. Hein, alors, je mets mes façons, voilà. Vous avez toujours un petit livret hein, qui est avec les gachas. Donc ça, c'est en fait une série qui est faite par un éditeur qui s'appelle donc Kalia, qui fait plusieurs gachas, plusieurs toys, et le petit livret qui vous montre donc la série de Tempura Yokai que je trouve qui est dingue, franchement. J'en sais rien demain si ça aura de la valeur. Hein. Après, une collection, ça, on pourra aussi en parler plus tard. Est-ce qu'une collection, on le fait en fonction de sa valeur? Oui et non, parce qu'un collectionneur, avant tout, il collectionne des pièces qu'il aime, qu'il apprécie. Et voilà, des petits gachas qui ne valent pas franchement grand-chose. Bah, ça reste quand même des séries limitées. Et puis peut-être qu'effectivement, dans plusieurs années, on en verra sur le marché de l'art. Pourquoi pas? Donc, les tempura, je trouve sympa. Il s'appelle, je sais pas si vous arrivez à voir, normalement, oui, Contemporary. Contemporary Art. Donc, comme quoi, on est dans l'art. Hein. On est dans l'art de la tempura et du yokai. Je veux dire, là, on est bien. Voilà, il y a d'ailleurs tempura en japonais. Hein. Tempura yokai, voilà, vous avez les yokai qui sont là et qui sont incroyables. Alors, dans nos petits yokai, qui c'est qu'on a? Alors, si vous tombez, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo après. Je pense que vous n'avez rien capté. On est sur des sets de toys mixant tempura et yokai. Et je parle habituellement d'objets d'art. Mais tout va bien. Mais la tempura, c'est la vie. Vous avez le premier qui est le ebi tempura en mode crevette. Je vais vous le présenter. Vous avez ensuite le Nasuke l'aubergine tempura. Yokai, incroyable. Vous avez le stock qui est le poivron, petit poivron yokai. Vous avez, oula, le shiitake qui est le champignon. J'essaie de pas zoomer parce que j'ai pas un objectif la macro. Je pense que je vais craquer pour un objectif macro.
parce que ça vous permettra, mais je pense que là, je me rends compte que la qualité est quand même assez, assez bonne. Et vous avez évidemment le... On ne peut pas faire de tempura sans crabe en vrai. Hein. Le crabe tempura yokai. Le secret rare, bah, c'est le rare, c'est celui que je viens de vous montrer, qui est le tempura en mode crevette or. Et vous avez un legendary rare qui est ici, qui est celui-ci, qui est en fait le yokai qui partait un peu du même que le poivron. Donc là, on est sur le poivron rouge en tempura, qui est le legendary rare. Donc pour les gachas, si vous ne connaissez pas les gachas, quand vous allez à Tokyo ou autre, vous avez évidemment une série que vous retrouvez assez facilement. Alors, ça va dépendre un peu des séries où vous avez... J'ai plus en tête les chiffres, mais vous en avez peut-être 1 sur 10, je vais dire des conneries. Ça, il y en aura qui seront mieux que moi dans les collectionneurs de gacha, qui vont être des secrets que vous trouvez, pas facilement. Et vous avez le légendaire qui est encore plus difficile à trouver. Donc voilà. Après, je vous avoue, pour savoir combien il y en a qui ont été édités, je n'ai pas contacté Kalia. Je pourrais peut-être essayer de voir avoir à l'info, ne serait-ce pour savoir combien en fait ont été édités au pays. C'est vraiment une série... voilà, qui est là pour le coup, qui est rare. Hein. Je suis pas sûr que vous le trouviez aujourd'hui très facilement, du moins retomber sur toute cette série assez facilement. Bref, on est donc sur une belle série de toys. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que je trouve que, et je suis en train d'en chercher d'autres pour le plaisir, parce que des petits toys comme ça, vous allez voir, ils sont dingues. Donc là, vous voyez, ils sont sous plastique, hein, je ne les ai pas ouverts. Donc c'est avec le unboxing. Je vous propose qu'on commence, on va faire la série en fait, on va commencer le Ebi. Entre temps, vous pouvez me poser des questions sur les yokai, vous pouvez me poser des questions sur comment faire des tempura aussi, il n'y a pas de problème, je sais faire de la tempura. Et on va comme ça les ouvrir. Et puis si vous avez des questions, je vais chercher mon couteau, si vous avez des questions sur les yokai en particulier, on va faire un sujet là-dessus, en sachant qu'encore une fois, il y a plein de yokai hein, différents, mais ça peut être sympa quand même de faire un topo, par exemple, le kitsune, le renard polymorphe, qui se métamorphose notamment dans une jeune femme. Je trouve que c'est un sujet à traiter en art, en tableau. Ouais, je trouve que c'est vraiment des bons sujets. Allez, on commence par le thème pour un bim crevette. Je les présenterai aussi en TikTok, parce que je ne peux pas faire l'unboxing. J'hésitais à faire l'unboxing en TikTok et Twitch. On le fera. Je les présenterai chacun dans une vidéo. Voilà. Il est quand même pas mal. Alors, avec ma petite lumière, je pense que ma lumière, parce qu'il est, je trouve qu'à l'écran, il est un petit peu plus clair que celui que j'ai sous. Il a vraiment la couleur d'un tempura crevette. Je trouve ça dingue. Je vais être un peu... Tac, un peu de lumière. Mettre un peu plus de chaud. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Bon, je ne sais pas comment ça passe chez vous. Tout va dépendre de votre écran. En tout cas, dites-vous que là, celui que j'ai sous les yeux, il a vraiment la couleur... Non, pardon. Il a vraiment la couleur d'un tempura crevette que vous avez au resto japonais. Eh bien, il est vachement bien fait. Vous avez en dessous... la petite signature de voilà, Noriaki Tanimura. Vous avez la crevette avec la queue, je ne sais pas si vous le voyez, mais la queue, on est vraiment sur une queue de crevette semi-transparente là. Il est hyper bien fait. Voilà, en forme de dragon. Alors, ça va reprendre des yokai, je ne vais pas me mettre trop près d'objectif, ça va reprendre des yokai qui sont, bon, je vais pas dire du classique, mais ça reprend surtout des têtes de démons. Hein, le démon, vous en avez plusieurs des démons, ça va pas reprendre ce qui aurait été sympa, et d'ailleurs je suis en train de chercher, parce que faut savoir que les yokai, ça a déjà été traité dans les toys. Hein, vous avez des toys qui existent, des toys vintage dans les années 60, ouais, 70, donc des jeux pour les enfants, pour jouer avec. On en a quelques-uns, j'essaie de commencer à me faire une série de ça pour vous les montrer. On est plutôt là pour le coup la reprise de yokai, de démons qu'on connaît tous, enfin en tout cas qui sont vraiment dans la culture japonaise. Là on est sur l'esprit yokai, ça reprend pas par exemple le renard, vous le retrouvez pas ici, c'est ce que je veux dire. Donc on est plutôt sur des démons. En tout cas, crevette,
Il est dingue, il est hyper bien fait. Voilà, il est vraiment très très bien fait. Avec un relief de la tempura. Ouais, super. N'hésitez pas à me dire vos commentaires si vous voyez même cette vidéo après coup. N'hésitez pas. Non, je vais commencer par l'aubergine, pardon. L'aubergine qui me fait penser, vous allez voir, par le regard, à un perso dans les Ghibli. Je trouve qu'elle est super bien faite. Hop. On va essayer de pas. Voilà. Donc vraiment avec les jeux, je trouve qu'ils. Non mais je les ai vus, j'ai franchement kiffé, hein, j'ai craqué. Alors faut savoir que les jeux dans les gacha sont quand même très souvent, je trouve, hein, très bien faits, très bien réalisés. Alors, pas tous, hein, mais souvent je trouve que limite c'est plus beau que certains jeux de grandes marques de jeux. Vous avez là la texture de la peau carrément d'aubergine, quoi. C'est très lisse. Et puis par-dessus, vous avez le tempura qui est un peu dégouliné. Avec, je suis sûr qu'il vous fait penser à un perso dans Chihiro. Vous savez, les gardiens là, devant l'ascenseur, avec le regard comme ça. Avec son petit. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Le bout de la queue d'aubergine qui est représenté. Ils sont dingues. Franchement, je vais les mettre en vitrine, j'adore. Avec derrière toujours la signature, c'est vraiment la tranche de tempura, la tranche d'aubergine qu'on a trempée en mode tempura. Voilà. Tiens, je vous ai pas montré la taille. Normalement, j'ai un mètre quelque part. Ouais, j'ai un mètre. Parce que c'est vrai, je parle pas de mètre. Alors souvent, hein, quand on bosse dans les objets d'art, les antiquaires, tout ça, on a toujours un mètre. Un mètre classique. Vous voyez, lui, il fait 6 cm. Donc, vous voyez, ils font tous 6 cm, 6-7 cm. Avec la queue, ma temporelle fait 6 cm. Donc voilà, ouais, c'est vraiment des petits objets. Alors, ils sont sympas parce que je trouve que leur qualité est vraiment bien foutue. C'est très bien coloré. Alors, je ne vais peut-être pas trop caler sur la vidéo. Mais vous avez le contour des yeux qui est fait. Bref, vous voyez. Hein. Super. Hein. Très bien fait. Je vais changer la musique parce que cette musique. Hop. On va passer sur un autre truc parce que souvent, celle-là, quand je la mets, on m'entend plus. Tac. Ensuite, n'hésitez pas à me dire vos commentaires dans ces petites folies là, Tempura. Je suis super content franchement d'avoir eu la série parce que je vous assure, c'était pas facile. Vous avez le Shito. Alors, Shito-yu, pour moi, c'est le. Il est vraiment très sympa. Et donc, vous avez la version verte, vous avez la version rouge. Donc là, je vous montre la version verte, qui est le troisième, dont là, c'est vraiment la version. Vous pouvez avoir de base en tournant de base. Encore une fois, faut arriver à tomber dessus. Hein. Qui est super sympa quand même. Voilà. Là, vous avez la couleur. Ouais. La couleur du. Putain, la netteté sur mon. Pas sur mes mains, mais ma netteté là. Ah putain, il veut pas le prendre en netteté. Hein. Voilà. Vous voyez, ça reprend vraiment la tête du démon. Ça peut faire penser un peu aux différents démons que vous avez devant les temples, par exemple. Les Oni, vous avez les Oni, donc Oni, Oani, qu'on retrouve aussi sur les masques de Nos, en sculpture, que vous retrouvez par exemple aussi sur les gardes de sabre japonaises, ça j'en parlerai aussi. Voilà, la symbolique du démon, il y a quand même plein, plein de choses derrière. Et ben, il est très, très, très sympa. Hein. Voilà, très belle réalisation aussi, je trouve. Alors, on dirait que ça a été peint au spray peinture, je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper bien réalisé, quoi. Très fin. Et puis, vous avez toujours les petits morceaux de tempura. Et ce que je trouve, ce qui est vachement sympa, que vous retrouvez la couleur de la tempura, vous savez, de la panure, quoi, de la tempura. Bon, je pense que vous avez déjà goûté de la tempura. Hein. Qu'on retrouve en fait la même couleur de tempura qu'on va retrouver sur les autres. Donc on est vraiment sur des beignets de tempura qui sont en même temps des yokai. Tout va bien. Très sympa. Ensuite, on a le champignon. Donc ça, encore une fois, comme je dis, hein, dans le domaine vraiment de l'art, je pense qu'on va y venir hein, un jour. Hein. Je ferai une vente aux enchères de tempura yokai. Un de ces quatre. Regardez-moi ce champignon. Souvent les champignons en tempura, si vous êtes allé au Japon,
parce qu'en France on en a pas souvent. Je vais baisser le son parce que surtout comme j'ai pas de masque, je vous raconte pas, je suis obligé de mettre le son à fond. Vous avez les champignons sont coupés tout simplement pour aussi reprendre le avoir plus de goût, plus de parfum et que ça explose bien en bouche, parce que c'est quand même le but de la tempura, c'est que le beignet de tempura, il faut pas qu'il soit... Putain, je suis en train de parler de beignet de tempura, je vais avoir faim. Il faut pas que ce soit étouffant. Au contraire, c'est vraiment du beignet qui fait exploser les saveurs. Voilà. La crevette, hein, vous la sentez bien. Et ben le champignon, c'est pareil. Et ben là, je trouve qu'il est hyper sympa parce qu'il a une tête pareil, hein, de démon surtout. Mais je trouve qu'il est vraiment très différent. Et c'est ce que je trouve qui est super fort dans cette série, c'est qu'ils ont fait des têtes de démon, des têtes de yokai complètement différentes. Voilà. Voilà. Vous pouvez regarder les deux. Ouais, l'objectif, vas-y, quand tu veux. Ah ouais, c'est quand il est derrière, il reste buté sur l'autre. Voilà. Tac, et puis vous avez le champignon. Hyper sympa. À côté du champignon. Top. Je pense que le champignon, moi perso, c'est un de mes préférés. Bon, voilà. Avec la crevette. Ouais, c'est un Lundi Toys. Peut-être que je vais continuer à faire des Lundi Toys. Alors, je ferai peut-être pas ça régulièrement parce que le but après, c'est de vous présenter des Toys vintage que je peux choper, que je peux trouver. Mais encore une fois, après, moi, mon but, vu que je suis quand même dans le domaine de l'art, je veux quand même faire un rapprochement avec les thématiques. Je peux avoir du Toys jeu, hein, mais le but du Toys, comment ça ? Lié, pardon, aux animés et autres, mais. Je trouve que là, on est super. Vous voyez, s'il y a des toys au Kusai, il y en a eu. Des toys sur les samouraïs, il y en a eu. Enfin, des gachas. Ouais, des petites choses comme ça. On est en plein dedans. Le crabe. Le crabe, il est où ? Le crabe. Hyper sympa, le crabe. On a l'impression qu'on est sur un yokai tempura. Donc, comme je disais, hein, en intro, on n'est pas sur des représentations de monstres. Typique. On est plutôt sur du yokai atypique. Ah. Ok. Il est super sympa aussi. On est sur un... Qu'est-ce que je dis, le crabe ? Oui, c'est le crabe, mais c'est une tranche de... je reste buté sur le crabe, mais ça, en soi, c'est pas un crabe. C'est un yokai crabe, mais c'est une tranche de courgette. Qui est très sympa. Oui, en plus, c'est pas du tout écrit... c'est pas du tout écrit crabe, hein. Donc on n'est pas du tout. Bref. Mais c'est un crabe. On est d'accord. Donc on est. C'est pour ça que j'en deviens complètement. On est donc sur une tranche de courgette tempura yokai en version Toys Gacha. Voilà. Au moins pour ceux qui tombent sur cette vidéo, vous pourrez dire que vous avez vu une vidéo qu'on veut. Vous en verrez pas des comme ça tous les jours. Il est hyper bien réalisé. Il est hyper bien réalisé parce que. Vous avez les pattes du crabe. Alors, pareil, du crabe. Si vous avez déjà goûté des tempura crabe, vous avez souvent les petits bouts de pâte. Et vous savez, quand c'est un peu trempé quand même de l'huile chaude, c'est un petit peu mou au bout. Et bien là, on dirait vraiment une tranche. On dirait une tranche tempura. Et en plus, en version crabe. Et je trouve qu'il est très très sympa avec son œil là. Voilà. Et il tient. Mais il tient debout. Voilà. Alors, bon, je vous mets hop, comme ça. Mais il tient debout. Top. Ensuite, on avance. Alors, sur le secret, il faudrait que je vois. Donnez-moi 2 minutes, je vais quand même regarder si. Série. Je suis pas sûr. Secret Ra. Tempura. Je bascule pas sur mon écran. Je voudrais savoir combien on a. Je vais essayer de les contacter pour savoir combien on a eu. D'éditer. Non. Je demanderais combien il y en a eu d'édités. Je pense qu'il n'y en a pas eu des masses qui ont été éditées. Je vous dirai ça en tout cas pour l'info, pour ceux que ça intéresse. Je regarderai et je vous montrerai ça. Alors, tiens, si je peux peut-être vous montrer... Je les ai trouvés. Alors. Parce qu'il y avait l'affiche. Je voulais vous montrer ça. C'est la petite pause. Tac.
Je vais vous montrer la fiche du truc. J'ai juste peur que... Je sais pas si je vais pouvoir... Ah, attendez, je vais basculer en mode, comme ça je vais vous montrer. Voilà, la fiche de la petite présentation qui avait été faite. Et en fait, c'est comme ça que je les ai découverts, moi. De Contemporary Art. Vous voyez, ça valait 400 yens, hein. Donc c'est pas non plus, c'est pas dingo. Et puis vous retrouvez toute la série qui est. Mais je trouve que même, encore une fois, même en photo ici, ils sont moins beaux que sur qu'en réalité. Franchement, les peintures en réalisation, en réalité, ils sont dingues, quoi. Et donc vous avez le combo là, la série. Encore que il manque ici même dans cette présentation. Le super, le légendary rare qui est le démon mais rouge. Voilà. Mais c'est quand en fait j'ai vu ça, je suis tombé complètement par hasard là-dessus. À vrai dire, je cherchais Toys Yokai. Je me suis dit, ils ont sûrement dû faire des gachas. Oui, c'est comme ça que je suis tombé après. J'ai réussi à trouver mes petits tempura. Je vous repasse juste sur le bon screen. La caméra marche, c'est incroyable. Et donc on va être là, donc lui, le tempura or, c'était le secret rare, donc déjà pour tomber dessus, je pense que voilà. Je vous dis que j'ai un cul monstre d'être tombé là-dessus. Hop, voilà. Donc ouais. Je vous dis, hein, on est pour 400 yens. Hein. Donc, 400 yens, vous avez... C'est pour ça que je trouve que sur des gachas comme ça, des petits gachas qui valent pas cher, parce que ah, 400 yens, le yen, je crois que le yen a un peu bougé. Hein. 2,67 €. Vous voyez, on n'est pas... On ne ruine pas la baraque. Hein. 2,67 €, vous avez, je trouve, un super bel objet. Quoi. Franchement, au-delà même du jeu gacha... Vous avez un beau truc. Et là, vous le voyez, il est peut-être un petit peu palichon au niveau de la cam. Il est vraiment doré, doré, doré. Mais doré comme si c'était à la feuille, quoi. Il est super bien réalisé. Donc, c'est le même hein, que le tempura classique. On a exactement la même forme, même posture. Vous avez juste peut-être le contour des yeux qui est un petit peu plus marron que... Pardon, si je ne me mets pas devant, ça ne va pas le faire. Un petit peu plus marron sur le doré que sur le tempura classique. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le détail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le détail en or. Mais remarquez, il y a la queue d'un côté qui est une vraie queue de... Bah, de... Hop, là. De... Bah, de crevette, hein. Et là, vous avez la queue qui a été, certes, tempuraifiée, mais en mode... Ah oui, c'est quand il y a les autres derrière, c'est le plus mal. En mode doré. Voilà. Et je trouve que c'est très sympa. Super bien réalisé. Donc, c'est des belles... Franchement, c'est des belles pièces. Hein. Voilà. Vous voyez que je peux vous parler d'artisanat du 16e. L'autre fois, je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous voulez, la dernière vidéo que j'avais faite sur les... les émaux cloisonnés, donc des techniques d'émaux cloisonnés. Donc les émaux cloisonnés, je vous laisserai regarder si vous savez pas ce que c'est. Et en même temps, oui, je peux tout à fait parler de Toys. Voilà, et donc le super méga, le légendaire, c'est celui-là, démon rouge, qui vaut clairement son pesant de cacahuètes, même si. Bon, j'ai juste une remarque. À rigueur, la crevette qui est la dorée, la classique qui est la dorée, ok. Au niveau du démon, bon, je me dis, ils auraient pu peut-être en faire un troisième, tu vois, un truc un peu différent. Mais, il est fou, quoi. Il est fou parce que ça reprend un peu... Alors, ça aussi, je ferai un sujet sur le thème, sur un des mythes, en tout cas un des monstres représentés, qui n'est pas un yokai, hein, ce qu'on appelle le shishi, c'est le lion-chien, c'est, qu'on retrouve aussi le chien de feu en Chine, etc. Bref, vous avez le shishi qui c'est une représentation qu'on retrouve, en tout cas un élément qu'on retrouve sur aussi dans les estampes, dans les objets qui reprennent des monstres, des démons. C'est ces petites boucles, ces petites vagues qui sont vraiment typiques aussi japonaises, vous savez, pour marquer les sourcils.
Putain, forcément, si je mets, mes mains devant, c'est la cam qui fait la netteté sur mes mains. Vous avez les sourcils qui sont marqués par ces petits tourbillons donc, de poils, et donc là, de poils tempura. Et voilà. Donc, on est sur un super beau... je trouve un super beau tempura yokai. Et je regarde juste si j'ai des infos sur les séries, sur le nombre. Mais non. Qui aurait été édité, mais je crois pas. Shiitake, on a le shiitake, ouais. On a... Alors, ils me disent que c'est Pumpkin. Ouais. Le 3. C'est ça. Non, j'ai pas des séries, en fait. J'ai pas les séries. Bon, je sais pas. Bon, je pense que ça n'a pas été édité en grand nombre. Hein. Donc, lui, c'est... donc, en tout cas, les deux. C'est donc le poivron, ou c'est plutôt le piment, en fait. J'ai oublié de préciser. Il s'appelle, c'est comment ? C'est Shishito. Voilà, c'est Shishito. Shishito, en fait, c'est une sorte de piment. C'est le piment japonais. C'est un piment japonais. Bon, voilà, poivron, moi, il a une saveur qui est un peu salée, mais c'est... Je trouve que, bon, quand vous avez un piment trempé dans la tempura, il n'est pas aussi mastoc. Donc, voilà, bon, juste... Ma remarque, c'est qu'ils ont voulu lui donner à lui une forme de vraiment de yokai, de monstre. Mais en soi, c'est le moins réaliste, c'est moins tempura. C'est plus yokai que tempura, quoi. Mais je les trouve très très sympas. Franchement, très bien réalisés. Voilà, on trouve le bout, en tout cas les dents de piment sont hyper bien réalisées. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est... Alors, ma remarque juste, c'est par rapport aux autres, hein, tempura. Mais si vous regardez... Je vous détaille, mais ça vaut le coup, hein, franchement, de détailler et de regarder ce qu'ils ont fait, parce que franchement, il fallait avoir l'idée. C'est-à-dire que le piment, Shishito, ils l'ont utilisé, ils l'ont fait passer dans la tête du yokai. Voilà. Il part du... Vous avez la top, là, la petite queue du piment. Voilà. Donc en fait, c'est les piments, vous avez les deux dents du piment. Et je pense que globalement, son corps représente, on pourrait dire, un piment un peu éclaté ou ouvert. Bref. Putain, j'ai faim. 21h38, j'ai faim. Donc voilà, une petite série spéciale qui, je me rends compte que j'ai mon appareil qui a bougé parce que j'ai pied de l'appareil, c'est pas grave, qui est très sympa. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je reste sur l'idée que eh ben, c'est une série qui est quand même super sympa, hein, qui est une série limitée et qui, bah ouais, des pièces comme ça, je trouve que ça se collectionne. Et encore une fois, on peut collectionner les estampes, on peut aimer les estampes, et en même temps, on peut avoir une petite collection de toys. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est, voilà. Je trouve que c'est ce qui me plaît dans la culture japonaise, c'est qu'il n'y a pas de limite, on peut tout aimer. J'aime beaucoup l'aubergine, par le rendu de l'aubergine. Voilà, donc c'était une petite série unboxing, présentation de toys, gacha, tempura yokai. On est des fous. De petites choses, hein. Donc c'était des pièces alors aujourd'hui qui sont assez difficilement trouvées. Alors vous en retrouvez parce que vous avez des vendeurs qui, bon, attention, hein, en import et autres, vous pouvez commencer à mettre la main dessus. Maintenant, moi je vous conseille, si vraiment vous les kiffez, vous allez trouver les séries. Il faut que vous arriviez à trouver toute la série, quoi. Voilà, je vais demander quand même à l'éditeur si j'ai les infos en termes de... Bon, après, c'est plus pour moi, hein. c'est plus le biais de dire oui, combien il y en a eu. Parce que je trouve que c'est bien aussi de savoir que ça a été fait, édité par, j'en sais rien, 500, 1000, j'en sais rien. Je suis pas un collectionneur de gacha, je précise. Hein, donc je pense qu'il y a sûrement des gens qui collectionnent des gacha qui ont déjà les chiffres en tête, qui savent exactement la série. Donc si vous avez l'info, eh bien, écoutez, je suis preneur. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on sort un peu de l'art. En même temps,
Je trouve que c'est un sujet sympa et je pense que j'en ferai d'autres. Et je les présenterai en détail sur TikTok. Je vais en faire une petite vidéo comme ça. Si vraiment vous voulez voir un peu plus détaillé ou revoir, vous pouvez aussi tomber sur TikTok. Je regarde là-bas parce que j'ai le contrôle avec l'écran. Ça me permet de savoir que ils sont bien. Vous les voyez en fait. Je vous dis bonne soirée. Voilà, c'est un petit live tranquille. Rendez-vous demain pour là pour le coup le live culture théoriquement que je fais le lundi, donc demain sur un sujet j'en parle pas, je vous dis pas de ce que je vais traiter, mais ça va être en lien avec l'exposition qui vient d'ouvrir au musée Guimet, c'est sur les médecines d'Asie. Donc ça, je vais faire un topo demain sur un sujet, je pense que j'en ferai d'autres parce que j'en ai plusieurs en tête demain sur ce sur le pan en tout cas médecine et Japon. Je pense que je ferai quelque chose aussi médecine. Alors attention, sous l'angle toujours art. Hein, donc je vais être sur quelque chose qui va être représenté. Donc je ne vous en dis pas plus. Ça c'est pour demain, 18h30, 19h, je le fais plus tôt. Et puis je vous dis sinon bah, bientôt. Je vais peut-être réattaquer. Non, peut-être pas réattaquer sur un stream parce que j'ai Zelda avancé quand même. Bon, pas non plus, on va pas se laisser faire. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous identifiez comme ça, notamment des gachas, les toys, des trucs qui sont un peu particuliers, qui sortent du lot, qui touchent le domaine artistique. Faites-moi signe, DM, DMP sur Twitter, sur Twitch, sur TikTok. Ça m'intéresse. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous dis à demain et je vous dis surtout une très bonne soirée et bon appétit si vous mangez, du tempura. Je pense que là, comme ça, vous penserez à moi. Allez, ciao et rendez-vous à demain. Ciao !